Monsieur Paquet, Chambre régionale, monsieur... Sans surprise, Stéphane Paquet est de nouveau élu à la tête de la Chambre d'agriculture de Corse du Sud. C'est avec 58,5% des voix que l'Union FDSE-AJA a été plébiscitée par les agriculteurs. Elle arrive donc en tête dans tous les collèges, et ce après une campagne difficile pour la liste, teintée de suspicions de fraude aux primes européennes. On a gagné tous les collèges, on a gagné tous les élus, donc de partout. Ça veut dire aussi qu'on a fait une bonne campagne sur le terrain, ça veut dire que les gens ne se sont pas laissés berner par rapport à une campagne qui a été quand même, on peut le dire, un peu sale, mais voulue par quelques personnes, heureusement pas la majorité. Mais on voit qu'aujourd'hui, le milieu agricole est toujours soudé, uni, et ce qui importe peu parce qu'on en a vraiment besoin. Tout au long du dépouillement des votes par correspondance, les résultats étaient serrés. Les bulletins par Internet ont tranché, 80% des votes sont parvenus par voie numérique. Via Campagnol, avec seulement 3 sièges sur le premier collège, dénonce des pratiques douteuses. Nous avons mis un certain nombre de réserves dès le départ, avant même que commence la campagne, sur le matériel de vote tel qu'il était fourni, tel qu'il manière était distribué. Et aujourd'hui, quelqu'un qui vole une enveloppe peut facilement voter par Internet. Donc aujourd'hui, nous posons des réserves par rapport à ça. Première participation, premier siège pour Moussa Paysanne. Bernard-Antoine Akwaïwa est le seul élu de la liste. On est très heureux de ce résultat. On remercie les gens qui nous ont fait confiance et qui nous ont voté. Ce qui veut dire qu'il y a quand même 12,5% des exploitants agricoles de Corse du Sud qui ont vu le travail qui a été fourni et qui ont voté un bilan. Concernant les élections en Haute-Corse, il faudra attendre le 8 février pour savoir si le paysage reste là encore inchangé.